Un pinpointer. Un pinpointer. Pinpointer. Voilà. Dalton? Non, il te faut juste le décaler, tu fais le Dalton. Et salut les amis, donc nous voilà sur une autorisation que vous connaissez. C'est la vigne qu'on a fait dernièrement avec Kestarive sur sa chaîne et un abonné il y a quelque temps. Donc eh bien, on va se la finir et je suis accompagné de Scotty Five. Voilà, et de Damien des Wandel Détection. Voilà, donc une petite sortie sympa à trois, on devrait se régaler, il fait chaud, je pense que... Le Tour de France se passe derrière, vous le voyez oui, pas, oui, mais... vous le voyez pas, il y a beaucoup de cyclistes. France, beaucoup de cyclistes. Bon, mais voilà les amis, écoutez déjà, je voulais vous dire, un grand merci à Gilou pour sa chanson. Voilà, on a été très 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 touchés, on a eu les larmes à l'œil, hein, cette chanson, franchement, c'est super ce qu'il nous a fait. Donc je voulais le remercier, si vous voulez écouter d'autres musiques qu'il a fait sur d'autres détectoristes, je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Voilà, Stéphanie n'est pas là parce qu'elle travaille, donc elle m'a dit de vous passer le bonjour. Voilà, donc écoutez, au prochain son, eh ben, on vous prend. Allez, Scotty qui va nous faire une petite rondelle. J'arrive. Alors, 40 cm. Je pourrais pas, franchement, je pourrais pas. T'es sûr que c'est pas un dessus de mon train? Un dessus de mon? Dessus de... Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ah! Ah, on en découvre des choses, t'es? C'est du plomb. C'est du plomb. C'est pas une wandelle? Non. C'est pas une wandelle. C'est pas une wandelle, j'essaie de faire le truc. C'est du plomb, c'est tout mou. Ouais, une fois nettoyé, tu vas me dire. Donc je sais pas ce que c'est hyper fin. Mais c'est pas une wandelle, c'est un plomb. Mais j'arrive pas à lire. C'est moi et mes yeux. Mais une fois nettoyé peut-être que... Tu verras ce que c'est, ouais, on dirait, je sais pas, c'est bizarre. C'est la première fois que je vois ça aussi fin, en plomb. Parce qu'après, à peine je le touche, ça se tord. Si j'arrive à lire, t'arrives à lire ce qu'il y a dessus? Prompt. 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 Franchement, je peux pas te dire. Prompt Vic, j'ai marqué. Ouais, une fois nettoyé, je pense qu'on vous dira. Une fois nettoyé. On le nettoiera. Ce qui est sûr, c'est que c'est du. T'es, je croyais que c'était un billon, moi, j'étais tout content et c'est pas grave. C'est pas mal, tu commences, t'as fait 10 mètres. Ouais, j'ai fait 10 mètres. Eh ben oui. 10 mètres avec 3 sons, 2 sons pas trop bons et ce son était vraiment pas mal. Ben oui, le son, ça sonne bien. Ouais, mais ma première trouvaille. Ah, mais. Alors en fait, tu couperas. Ma première trouvaille d'aujourd'hui. Eh ben bravo. Joli. Allez. Ça sonne. Ah ouais, regarde. Ah. C'est vraiment petit, mais c'est... Regarde. Peut-être deux coups, non? Non. On dirait peut-être une pinaise ou une dessus, je sais pas, c'est bizarre. C'est comment dessous? C'est plat? Ouais, c'est un peu arrondi, tu vois. C'est creux à l'intérieur. Mais j'en ai fait plus d'une, ça. Je sais pas ce que c'est. Ouais, j'ai une petite punaise de tapisserie. Ouais, moi aussi j'aurais dit ça, une petite. Oh, t'as vu comment ça sonne bien ça? Ouais, ça sonne bien.
Bah avec les elliptiques, c'est son terrain favori, ça, les petits trucs comme ça. Ouais, je tiens d'abord à remercier aussi le prêt de matériel de Sud Détection. Merci à Chris, merci à tout le monde de m'avoir prêté un casque, une pioche, un petit sac pour mettre les trouvailles, si on sait jamais. Par contre, s'il y a trop de trouvailles, il faut une location de camion. Hein, parce que, j'ai un autre sac. Ça, et merci pour le Deus avec le disque elliptique. C'est quoi, c'est 22 cm? Ouais, c'est 22, ça ouais. 22 un chef elliptique. Oh, ça c'est la Ferrari, ça. Ça, c'est une Lamborghini. C'est un engin de compétition, ça. Je suis fan. J'ai le même, moi, sur le mien. Bon, là, je suis avec le X35. Mais... Bah, après, par contre, je pense que. Bon, après, on m'a juste dit il faut mettre ce programme ou quoi que ce soit. Mais il va falloir t'habituer. Après, tu commences pas avec le plus simple, on va dire. Mais je pense qu'avec plus de pratique, je pense que tu peux te perfectionner. Les gens peuvent se perfectionner. Bien sûr. Au la main. Avec un Deus, mon pauvre, tu as une arme de guerre dans les mains là. Eh ben regarde, une arme, une rondelle et un clou de pâtissier, de tapissier. Oh putain, je te jure. Ouais, j'ai pas eu le temps encore de creuser, chaque fois je suis obligé de venir te filmer tellement tu vas vite. Et on aime faire les tops, nous, tu le sais. Hein. Et n'oubliez pas, une fois que vous avez fait un trou, pensez aux autres, parce que c'est pas à nous, les champs ne sont pas à nous. Pensez à reboucher le trou que vous avez fait. Voilà. Pensez-y à ça. Très bonne information. C'est très important. C'est exactement ce qu'il faut faire. Bon, allez, tu continues, hein. Il y a 3 ou 4 rondelles encore dans cette rangée, c'est sûr et certain. Allez. Alors les amis, ils sont à 82 là, ça sent bon. Donc allez, on y va, on prend la pelle. Et on y va. En live. C'est sorti. Oh, je crois que je la vois. Regardez les amis. Une nappe. Bon, mais les amis, une petite nappe. Hein. J'essaie de vous la montrer bien comme il faut. Voilà, que ce soit pas à l'ombre. Une petite nappe. Voilà, qui a eu avec des beaux restes. Hein. Elle a pris un petit shoot au milieu, mais je pense pas que ce soit moi qui l'ai mis. Hein. De toute façon, je la nettoie et je vous montre ça. Allez. Alors, Damien nous a fait quelque chose. Et c'est. Ouais, on dirait une petite morceau de statuette. Ah, ben c'est Jésus. Ouais. C'est un reste de Jésus, quoi. Il doit y avoir le crucifix pas loin. Ouais, il doit y avoir le crucifix, tu vas chercher, à mon avis, il est peut-être pas très loin. Et ouais, un petit Jésus, c'est du plomb. On dirait, au poids. Un petit Jésus en plomb, fait petit. Et ouais, ça devait être quand même assez conséquent avec la croix, quand même. Parce qu'il manque les pieds, il manque les bras. Ouais. Ouais, la croix doit être pas mal, quand même. Ouais, ça devait être quand même quelque chose d'assez grand. Ouais, ouais, mais ma foi, c'est pas dégueulasse comme trouvaille. La seule trouvaille. Pas de rondelle. Je sais pas pourtant cette vigne jusqu'à maintenant, elle a vachement donné. Pas de rondelle. Mais là, aujourd'hui, ça donne pas. Allez. Voilà les amis, nous sommes à 89, 88. Quoi qu'il en soit, c'est un bon indice, on creuse. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah, les amis, je crois savoir ce que c'est. C'est un petit compas. Un petit compas, les amis. Voilà. Bah, écoutez, il fait chaud. Hein. Je vous garantis que là, ça doit être 10h30, 11h moins le quart. Il fait une chaleur. Mais alors, une chaleur de fou. Allez. Alors, les amis, nous sommes à 83, 84. Et là, vous voyez, elle est là. J'ai creusé déjà. Et c'est une... J'y vois pas, mais... On dirait une aluminium. On dirait une aluminium. Voilà, un franc. Allez, je nettoie ça. Et je vous mets ça en photo. Allez, c'était insupportable, les amis. Il fait une chaleur aujourd'hui. Mais vraiment, quoi. Ils ont annoncé 37 cet après-midi, mais je ne sais pas s'ils n'y sont pas déjà. Voilà. Allez, on continue. Alors, les amis, ils sont à 77. Alors on va voir, je sais pas si c'est pas ça. Si si. C'est un fusible, si je me trompe pas. Je vois de la céramique. Je sais pas trop. Oui, sûrement ou un truc, ouais, je sais pas en fait. À l'intérieur c'est en fer, puis il y a de la céramique autour.
Je suppose que c'est ou un fusible ou enfin c'est électrique en tout cas. Je pense. Voilà les amis. Son par là. Ah, c'est un son clair. C'est pas, ça doit être en surface. Ouais. Je crois que c'est ça. Oula. Alors là. Mais c'est beaucoup de plomb ça. Ça ouais. Attends. Ouais. C'est du plomb tu crois? Ouais, C'est pas une mètre ça, c'est, je sais pas ce que c'est, mais c'est. On dirait un truc rond, moi. Je sais pas. Non, c'est rien. C'est, non, ça, je sais pas ce que c'est cassant en tout cas. Donc c'est pas du plomb. Mais Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'était peut-être un bouton, un vieux bouton ou. Eh Damien, qu'est-ce que t'en penses? Bizarre. De toute façon tout est bizarre la détection, hein. T'as des formes improbables. Ah mais là. T'as des formes improbables. On dirait un petit bouton, tu sais. Ouais, on dirait ça. Ouais. On dirait un petit bouton, un petit rivet, tu sais. Ouais. Mais pourtant il y a de l'oxydation. Ouais, parce que c'est sûrement du cuivre ou du bronze, hein. Du cuivre, on dirait, ouais. Du cuivre, on dirait. On dirait du cuivre. Bon, ouais, mais. Voilà. Faut s'alerte. Putain. C'est oh, le dernier son de la fin. À combien il sonne celui-là? 88 fixe. Ouais, c'est un beau son. Mais fixe, hein. Ça se sonne, ça. Ça se creuse. Ça va être coupé, ça. Ouais, ça va être coupé. Non, ça va pas être coupé. Tiens, je vais le laisser. Ça se sonne. Wow. Allez, dernier. Là, ça se creuse, les amis. Eh, c'est du béton, ça. Regarde ça. Ouais. Damien, j'ai quelque chose à te demander. Viens. Viens. Eh, mon cœur, il palpite. Ah. Allez, viens. Ton cœur palpite. Mon cœur palpite. Viens là, viens, mets-toi en face. Mets-toi en face. Eh, par les liens sacrés du mariage, je vous déclare. Ah, c'est pareil, tu peux le mettre là, il est gros. Hein, eh ben oui, tu veux le mettre où? Là, là, comme les machins, quoi. Regarde, c'est quoi? Un anneau. Un anneau gastrique, s'il faut, que ça servit dans les testins. Un anneau en cuivre. Eh, ça a bien sonné. Un petit anneau. Mais ça sonne bien. Un anal. Un anal. Eh ben c'était le dernier son. Bon ben voilà les amis. Bon mes sorties pas très glorieuses, hein. J'ai fait deux petites bonnets, un petit compas. Et vous avez fait. Toi t'as fait le petit Jésus. Petit Jésus, est-ce qu'il peut être ressemble de monnaie? Peut-être qu'il ressemble de monnaie, on va le nettoyer, on va voir ce que c'est vraiment. Et toi, ben. La cuillère et beaucoup de plomb. Et beaucoup de plomb. Voilà. Donc on est un petit peu bredouille quoi. Ou brecouille. Ouais. On est brocouille les amis, voilà, aujourd'hui c'est la sortie pas terrible, voilà, ça arrive, c'est à la détection aussi. Ouais, c'est aléatoire de toute façon, voilà. On peut pas trouver ouais, chaque fois. C'est aléatoire. De... Allez, à toi. Voilà, donc pour cette fois-ci, ben, ça n'aurait pas été glorieux les amis. Bon ben, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et je vous dis ben, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Beau esprit, un bel accent, de belles trouvailles, de beaux moments. Un joli couple tellement charmant qu'il vous captive dans l'instant. Une romaine, c'est épatant, une première, l'événement. Les cœurs s'emballent, une joie d'enfant, les amis fouilleurs sont contents. Joli couple n'est pas novice, se complètent, ils sont complices pour régaler leurs abonnés de leur sortie bien préparée. Les fouilleurs toujours généreux, le paysage merveilleux, c'est des caresses pour nos yeux, ils nous enchantent de leur mieux. Parfois des sorties entre potes, quand ça taquine, que ça complote, que la bonne humeur est partout et qu'elle m'emporte d'un seul coup. D'autres fois rien que tous les deux, en partenaire, en amoureux, le cœur plongé dans la bataille à la recherche d'une trouvaille. Des fouilleurs ils dépolluent, pour la terre moins de détritus,
Et en passant ce beau message, ils s'ouvrent des merveilles au passage. Pour que des fouilleurs changent chez eux et nous regardent dans les yeux. Pour faire des cadeaux généreux, couple des fouilleurs joue le jeu. Leurs vidéos sont naturelles, quelques directs sensationnels. De l'émotion, c'est l'essentiel pour les rejoindre sous leur ciel. La mise en scène est amusante, peinte de belles voix chantantes. Elle renouvelle, elle réinvente, nous comble de scènes émouvantes. Couple des fouilleurs, il faut connaître, c'est une nouvelle fenêtre. Entre la passion et l'amour, leur super chaîne vaut le détour. Couple des fouilleurs nous régale, chaque trouvaille devient un graal. Quand ils aiment la partager avec leurs potes, leurs abonnés.